Albert Marquet, qui est un grand peintre qui naît à Bordeaux, a fait énormément de paysages d'eau, c'est-à-dire où l'eau est très présente. Mais c'est l'eau des ports, des ports d'Europe, mais aussi des ports en Algérie, en Tunisie. Il aimait l'atmosphère des ports avec les bateaux qui passent. Et il a dédié sa vie à voyager de port en port et de les peindre avec beaucoup d'amour. Dans le cadre de cette manifestation sur le paysage, ils ont rejoint les dessins de Marquet pour faire une sorte de parallèle, puisque le sujet est le même, ce sont des ports, c'est l'océan, des falaises qui dominent la mer. C'est toute l'atmosphère des ports que Marquet a peint toute sa vie et que moi j'ai peint en tant que jeune peintre, que j'ai dessiné en tant que jeune peintre et qui rejoint Marquet dans ce motif. Alors les sujets que j'aime beaucoup en ce moment, c'est les fleurs et les papillons. Et j'ai changé de technique parce que j'emploie des pastels pour mettre de la couleur. Alors que quand je dessinais les ports, c'était souvent un trait, plusieurs traits au crayon, avec de temps en temps de la couleur. Tandis qu'avec le pastel, vous êtes obligatoirement dans la couleur.